Wow! Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette 227e VOD Moemo avec Virus sur Hyperdimension Neptunia Rebirth Private Generation. Aujourd'hui, nous nous attaquons aux events. Oh bah bon Dieu! Mais j'arrête pas! Mais chut! Arrêtez! Vous me rendez dingue! Oui, donc je disais, on se met sur l'event de Planète Une, qui est la quête principale, bien entendu, pour avancer dans l'histoire. Voilà. Je suis trop fatigué. Bon travail, tout le monde! Et pourquoi est-ce que t'es pas exténué? Je le savais, je peux pas m'occuper des enfants. Ah, ces humains miniatures sont tellement mignons quand ils dorment comme ça, mais... On dirait qu'ils rêvent tous les trois à propos de toi. Mais je n'ai aucune idée de pourquoi ils te voient en rêve. Ils doivent avoir un mental similaire. Ah, donc ok, ils voient Neptune comme un bébé également. Ah, t'es tellement chanceuse, Neptune. Et c'était moi qui m'occupais d'eux en premier, mais on dirait qu'ils t'adorent plus que moi. On me dit dans le chat, en vrai je pense que les voix du menu c'est juste pour donner une idée aux joueurs du bordel ambulant quand tu es à côté du groupe des DS et tout ça, ouais. Ça doit être ça, ouais, ça doit être le bordel. J'ai 0 HP les amis. Je dois aller faire une bonne nuit de sommeil et some goofy fanfare to restore it. Écouter une bonne fanfare pour me restaurer. Ouais, c'est une urgence, Neptune, c'est une urgence. Je me suis foutu encore dans un sacré pétrin. Les bébés sont en train de dormir, ils doivent être très silencieuses. Mais elle est trop mimi en fait, mini-histoire, je l'adore. Ah, je suis désolé, mais c'est pas le moment pour ça, écoutez Neptune. Hey, mais je suis complètement crevé. Je t'écouterai bien après avoir dormi, ok? Je ne peux pas te l'autoriser. Tu dois m'écouter maintenant. Si elle est si paniquée, ça doit être important. Écoutons-la, Neptune. Ok, très bien, mais qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai des mauvaises nouvelles et j'ai des nouvelles encore pires. Et est-ce qu'on doit choisir? Écoutons les mauvaises nouvelles alors. Les mauvaises nouvelles vous concernent toutes. Hein.
Il y a quelque chose en rapport avec une déclaration de guerre qui a été envoyée à toutes les trois nations il y a un moment. Il y a juste un moment. Déclaration de guerre, mais c'est pas des. Ce n'est pas des nouvelles très plaisantes. Techniquement, c'était un petit peu différent, mais comment est-ce que je pourrais vous l'expliquer? Le truc, c'est qu'il y avait quelqu'un qui voulait vous déclarer la guerre et elle voulait que vous alliez visiter sa nation. Sa nation? Mais où est-ce que c'est? J'ai jamais rien entendu à propos d'une nation qui se serait formée sur ce continent. Oui, c'est vrai, elle a été fondée sur une île nation au sud d'ici. C'est appelé l'Inbox. Oh, eh bien, ça va vraiment dans le flot de la progression de l'histoire. Bon, Neb-chan, tu sais quelque chose à propos de ça? Oui, mais je pense que je ne devrais pas agir comme si je le savais. C'est pas cool si le personnage principal spoil toute l'histoire. Bon, et c'est quoi alors les nouvelles encore pires? J'ai reçu une transmission de l'autre dimension. J'ai placé l'appel en... J'ai mis l'appel en absence, enfin en... En gros, j'ai laissé l'appel de côté pour le moment. Ah, et c'est de histoire? Mais qu'est-ce qui va pas? Hein, peut-être encore un serment? Pourquoi? J'ai travaillé si dur, en plus vraiment très dur récemment. Non, ah, c'est pas ça, c'est... Alors quoi? Vas-y, crache le morceau. Eh bien, Neptune... Oui? Le plan pour retourner dans ta dimension a été préparé. Ah, donc Neptune rentre à la maison. À sa maison. D'accord, Pololo. Ça marche. J'ai cru que mon son avait bugué. Hein. Bon, très bien. J'ai fait comme c'était préférable et je me suis mis dans un endroit ouvert. Neptune, tu t'en vas vraiment? Et dans le chat, on me dit, ça y est, fin du jeu, merci. Eh bien... Ah, mais c'est comme ça que doivent être les choses, elle n'est pas de notre monde. Mais je veux pas que tu t'en ailles, je vais me sentir seul sans toi. Oui, moi aussi, ça me rend triste, mais... Ouais.
Ah, si tu dois t'en aller, alors vas-y. On est occupé avec le message de l'inbox, hein. Ah, ce n'est pas le moment d'agir de façon hostile. Bon, je te mets sur haut-parleur. Test, test, Neptune, est-ce que tu peux m'entendre? Ah oui, je t'entends. On me dit GG dans le chat. N'importe quoi. Vous avez pas capté, on découvre chaque quatrième chapitre et doit d'avoir au moins 12 000. Je suis désolé pour la lenteur, enfin le long délai. J'ai finalement découvert une façon pour nous de créer un passage pour que tu reviennes à la maison, Neptune. Et ça, c'est parce que tu as travaillé très très dur dans ce monde. Ah, mais tu vas me faire rougir. Bon, je vais ouvrir le passage maintenant. Donc, attends ici. Eh, attends, Ise. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que je peux rester un petit peu plus longtemps? Je te promets que c'est juste un petit peu plus longtemps. Hein? Ah, Neptune! J'ai encore plein de choses à faire ici. Je serais un personnage principal bien lâche si j'abandonnais mes amis maintenant. Et tu as Nepegir et tout le monde de ton côté. Donc je suis sûr que... je suis sûr que tout ira bien pour quelques moments de plus. Mais tes chairs sont en train de... fondre comme des jeux au soleil chaque jour. Si tu... Si tu abandonnes cette opportunité, je ne peux pas garantir qu'il y en aura encore quand tu reviendras. Ah, vraiment, ben, enfin, je veux dire... Nep-chan. Je suis désolé d'avoir essayé de te garder juste pour moi toute seule. Et c'est ok, tu peux y aller maintenant. Ah non, tu ne dois pas t'excuser pour ça. Tu as ta propre dimension et tes amis et tes followers aussi. Et qui t'attendent. On but va pleurer. Je me sentirai seul, mais et je ferai avec. Ah, mais ne pleure pas. Et pourquoi est-ce que vous êtes toutes sous le coup de l'émotion? C'est une bonne chose. Il n'y aura plus il n'y aura plus ce désagréable bruit de vos alentours. Je veux dire, je suppose que parce que t'étais si bruyante,
Je pourrais me sentir un petit peu seul sans tout ce bruit, tout ce brouhaha. Moi, je m'en fous que tu sois bruyante. Je ne te déteste pas. Notre temps ensemble fut court, mais ça a été très amusant. Tout le monde se met à chialer. Oh non, et si vous dites tous vos sentiments comme ça, peut-être que j'aurai une poussière dans l'œil aussi. Allez, c'est parti. L'océan de larmes. Mais arrêtez ça, vous êtes toutes les deux embarrassantes. Vous savez que si vous vous mettez à pleurer, je vais le faire aussi. Neptune-san, je comprends comment tu te sens, mais le temps... Enfin, on n'a plus le temps. Ah, du coup, la traduction en anglais est mieux que l'original, j'ai envie de dire. Oui, j'ai bien compris. Bon, bah, on se voit dans un sequel, tout le monde. Ah non, chut, Clonzen, chut. Non, pas de spoil, pitié. Merci pour tout, Neptune. Vis une belle vie où tu vas. À la prochaine. Je vais ouvrir le chemin maintenant. Alors, quand je le ferai, Neptune entre dans le pilier de lumière. Donc, quand je vais rentrer à l'intérieur, c'est comme une garantie que je ne verrai plus Pululu et les autres. Non, c'est une chose temporaire. Je suis sûr de ça. Un jour, nous... Histoire-san, ma grande sœur Neptune va vraiment rentrer? Oh, je crois savoir ce qui va se passer. Et t'aurais pas dû me spoiler, Glonzain, parce que je m'en serais douté. Il y avait des indices dans la précédente VOD pour ceux qui l'ont regardé. Non, Nefegir ne va pas foutre en l'air ce processus très sensitif. Ça doit être concentré. Quoi? C'est quoi cette lumière? Et c'est de là qu'elle va sortir? Non, je t'ai dit non, ne fais pas ça. Et ce, qu'est-ce qui va pas? J'entends des hurles, enfin j'entends des cris. C'est-à-dire qu'il y a un petit contretemps. Oh, c'est pour ça que j'avais essayé de garder ce plan confidentiel. Onee-chan, tu peux m'entendre, Onee-chan? Ah mais j'entends, je connais cette voix, Nepegir. Mais je ne la vois pas, où est-elle? Et je t'ai dit de pas aller près de ça. Non, ne te mets pas dans le pilier. Mais qu'est-ce qui les retient?
Je suppose que ma sœur est en train de faire des trucs. Vraiment? Ça, en quelque sorte, ça ruine l'atmosphère. Bon, bouge-toi et fais-moi voir. Hein? Hein? Attendez, je pense que. Je crois que je suis. Et je suis aspiré dedans! Nepegi! Hein? Le pilier de lumière s'est évanoui. Histoire, qu'est-ce qui va pas? Hein, je pense que on ferait mieux de passer les trucs généraux et on va aller chercher Minis et c'est la placer par ici. Hein? Pourquoi est-ce que tout le monde s'écarte de moi? Je m'en doutais. Et si vous avez regardé la précédente VOD, même si elle n'était pas extrêmement intéressante, mais c'était sympa quand même, vous savez ce qui est en train de se passer. Et ça, vous le voyez venir. Hein? Cette sensation de dread de cette sensation de danger, je connais cette sensation de quelque part. Hey, bougez du chemin. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu un cri d'au-dessus de moi également, et alors Neptune. Pouf noir. Ah, c'est Nepegir. Fuck! Je viens de me rendre compte d'un truc. Je vous le dirai après. Hein? Neptune? Ah, je t'ai trouvé! Tu m'as tellement manqué! C'est cool, ma soeur, mais tu m'as manqué également. Je suis content et tout, mais cette situation, c'est un peu. Ah, c'est terrible! Ah, ce chemin ne pouvait. Ce chemin particulier ne pouvait être ouvert qu'une seule fois. Maintenant, je n'ai pas non seulement perdu Neptune, mais aussi Nepegir. Désolé, je ris un peu jaune, hein, mais c'est tout ce que je peux faire. Ça va mal se passer, évidemment. Oui, je sais. Essaye de te calmer, d'accord? Toute cette scène est foutue maintenant! Ah, bah alors c'est donc Nepegir-chan. Ah oui, je suis content de vous rencontrer. Ah mon dieu, et tu as vraiment l'air d'être comme Blink. Et toi, tu es Pululu, pas vrai? Moi, je suis Nepegir, la petite sœur de Neptune. Oui, je suis peu de deux. Je suis contente de te rencontrer. Avant que nous continuions les présentations, peut-être on pourrait s'occuper de ça.
Oh, ça, oh, désolé, est-ce que je suis tombé sur quelque chose d'important? Ah mais ils ont été obligés de mettre la flèche en plus. Bon, maintenant arrêtez d'avoir des longues conversations pendant que tu es assise sur le dos de quelqu'un. Et non. Nope, on verra ça sur une prochaine VOD. En tout cas, merci d'avoir suivi celle-ci. Hein, n'hésite pas à t'abonner, à mettre des pouces rases. Voilà, des pouces rases, parce que comme ils étaient verts avant, ils étaient bleus après, ils sont gris maintenant, on sait plus quelle couleur ils vont être. Donc, ça va être des pouces rases. Voilà, tu mets des pouces rases, et puis on sera tous contents. Voilà, tu mets des commentaires si t'as envie, tu t'abonnes si t'as envie de voir la suite, tout ça, tout ça. On te fait des bisous, on dit à la prochaine sur une nouvelle VOD sur Hyperdimension Neptunia Rebirth 3 V-Generation. Des bisous et surtout hashtag Amour Viril. Hell yeah!